Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va débuter dans quelques secondes le meet-up. Donc ce soir on va parler un petit peu de comment on développe un opérateur cube en Java. Donc je présume que vous connaissez déjà un petit peu cube, les opérateurs en cube, Java. Ok, bon. Et ben, on aurait dû faire un truc sur Google. Donc, l'agenda. Alors déjà, merci effectivement à Théodo de nous accueillir pour cette dernière session, parce qu'en fait, c'est la dernière fois de la saison qu'on vient chez Théodo, hein, parce que comme vous le savez sans doute, on change de logo tous les 6 mois. Donc, merci à eux de nous accueillir depuis depuis janvier, malgré tous les aléas entre les grèves et tout. Bon, on a dû faire quelques meet-up aussi en live, malheureusement. Donc, ce meet-up sera aussi disponible en replay, évidemment, donc vous pourrez tout revoir en détail, et tous les meet-ups sont évidemment disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc le planning du meet-up est traditionnel, hein. Donc moi je suis François Tonic, je m'occupe du magazine programmé, donc vous allez me supporter quelques minutes, voilà. Ensuite je laisse la parole à Stéphane, donc c'est le speaker de ce soir, hein. Voilà, donc avec un beau polo VH Cloud. Et après, on aura quelques petites pizzas et quelques boissons, voilà, si vous voulez rester. Donc, programmé, on existe depuis 25 ans, on est à plus de 270 numéros maintenant, plus de 23 000 pages publiées. On a un tarif étudiant, on a des tarifs entreprise aussi pour les équipes, papier et PDF. Et le prochain numéro sort dans 2 jours, voilà. Et ce sera notre numéro d'été en programmé. Donc voilà, donc si vous voulez aussi vous abonner, c'est programmer.com, il n'y a aucun souci, ou écrire des articles pour programmer, ftonic@programmer.com. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire des technologies et des anciennes machines, vous avez Technosor, hein, vous avez un exemplaire là, ou aussi notre histoire de la microinformatique, dont le volume 4 est sorti il y a un mois, sur la microinformatique française. Voilà, et c'est disponible sur programmer. Amazon.fr et technosor.fr. Alors notez aussi tout de suite sur vos agendas. Donc aujourd'hui c'est la dernière session de la saison. Et oui, parce qu'on est déjà fin juin, mine de rien. Et on reprendra la saison des meet-up, donc saison 2023-2024, le 3 octobre, dans les locaux de The Cunning Machine. En fait, ils sont à 300 mètres de Saint-Lazare. Voilà, donc très 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 beau locaux, avec un petit amphi bien aménagé et tout. Voilà, donc ça va être assez sympathique. Donc 3 octobre, premier meet-up de la prochaine saison. Deux DEFCON aussi à noter tout de suite. Alors tout sera indiqué sur programmer.com, nos newsletters et sur notre groupe meetup.com, bien évidemment. 19 octobre, DEFCON sécurité. Donc 100% cyber, 100% qualité du code, clean code et sécurité du code. Qui aura lieu sur le campus de l'EFRE Paris, donc c'est au terminus de la ligne 13, donc très très bonne école aussi, très très belle amphi. Donc là c'est 5 heures de conférence où vous allez bouffer de la sécurité de 14h à 19h, et on finira bien évidemment par notre pizza beer party habituelle. Voilà, donc toutes les sessions seront bien évidemment en replay, donc ça c'est le 19 octobre. Et le 14 décembre, vous pouvez déjà le noter, édition 2023 de notre conférence Game Dev. Donc là, on va parler un petit peu jeux vidéo, intelligence artificielle dans le jeu, comment on code un jeu, comment on fait une carte graphique de jeu, comment on va utiliser de l'Unity ou du Cloud Gaming, etc. Donc pareil, c'est 5 heures de conférence de très haut niveau avec de très très bons intervenants. Donc ça, ce sera le 14 décembre. Au campus de l'ESGI Paris, donc c'est à 5 minutes à pied de Place de la République. Voilà, donc 19 octobre et 14 décembre, nos prochaines DEFCON à Paris et la reprise de meet-up, donc le 3 octobre. Et ben, c'est fini pour moi, voilà. Vous m'avez supporté 2-3 minutes, c'est déjà pas mal. Et je laisse la parole à Stéphane, donc qui va nous parler un petit peu d'opérateur cube en Java. Tu vas essayer, c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui sont au courant, voilà, vous avez quelques petites goodies devant, il n'y a pas de soucis. Donc allez-y, vous pouvez prendre les goodies, vous avez un numéro de du programmé, du Technosor,
et des super ventilateurs Bicoyote. Ah oui ? À prendre, donc il faut pas hésiter. Ils sont trop lourds, je ne les rapporte pas. Bon, bah écoutez, moi, je vais en prendre pour mon fils. Aucun souci. François, bonsoir. Bonsoir. Donc, bon meet-up à tout le monde. Alors, ça sort là, mais ça sort pas là. Ah, ça sort pas là maintenant. Bon, maintenant, on a un problème technique. Ah ouais. On n'a rien raté, non ? Parce que non, c'est bon. Ah ouais. Il y a l'autre. Tu relances le mix que je suis en train de faire. Ah ouais, c'est bon. Il s'est synchronisé là. Bonsoir. C'est votre rendre service, ça, les trucs là. Super. Oh, bah c'est cool. Oui, ça va être rendre service. Bah, c'est parti. Ouais, tu peux. Ok, et merci. Alors, du coup, ça sort derrière moi, simplement, c'est ça. Sur le côté. Et sur le côté, mais pas là. Ok, super. Merci à vous d'être là. Merci à François de l'invitation. Donc, on va parler Java, on va parler Kubernetes, on va parler de plein de choses. Je vais vous faire travailler un petit peu pour qu'on se connaisse et que je vous connaisse. Qui utilise Kubernetes ? Ok. Qui l'utilise en production ? Pour de la vraie production, des vrais utilisateurs, des vraies applis. Ok. Qui a déjà utilisé un opérateur ? Qui en a déjà développé un ? Okay. Qui est dev ? Ok. Java ? Ok. Go ? Non. Rust. C'est cool. Qui est Ops ? Qui est les deux ? Ouais, ça fait des belles journées ça. Bon, ok, c'est cool. On va du coup voir un peu tout ça. Donc justement, moi je vais vous expliquer avec mon langage, mais qui n'est pas un mauvais langage, simplement avec un langage de dev, parce que je suis d'abord dev, je ne suis pas un ops à l'origine, je suis un développeur Java qui fait du Kubernetes. Et donc du coup, c'est pour ça que je vais souvent prendre des analogies dans le monde du développement. Du coup, moi je suis Stéphane Philippard, je suis devrel à OVH Cloud. Qui connaît OVH Cloud, juste pour rigoler ? Qui sait que OVH Cloud fait du cloud public et des offres managées ? C'est-à-dire autre chose que du mail, du VPS et du compute. Genre du cube à la demande, la base à la demande, ok. C'est très rare d'avoir ce pourcentage de gens, mais du coup, c'est cool. Donc je vous dis, je suis un développeur Java et vous pouvez me trouver sur différents modèles ou endroits. Alors, moi, la première fois où on m'a parlé d'opérateurs, je me suis dit, c'est quoi ça, les opérateurs dans Kubernetes ? Et pour moi, un opérateur, en fait, c'était une personne derrière plein d'écrans qui essayait de faire que son Kubernetes soit toujours opérationnel. Et puis on a commencé à m'expliquer un peu ce que c'était, et du coup je me suis rendu compte que c'était plus ça. C'était peut-être une ou un ops, mais surtout qui était aidé par quelque chose de super puissant pour gérer son Kubernetes. Et au final, pour moi, un opérateur, et on va voir que je n'ai pas trop tort, c'est de réduire nos actions manuelles. Mais en fait, c'est de faire ce qu'on fait nous tous les jours en tant que développeur, c'est qu'on développe pour essayer de faire des choses à la main. Enfin, c'est un peu la base. Et moi, il y a un truc que j'aime pas du tout dans Kubernetes, c'est le YAML. En fait, j'aime pas faire du YAML. Alors, je suis pas en train de vous dire que grâce aux opérateurs, vous ferez plus de YAML, mais vous allez voir qu'on en fait beaucoup moins pour faire la même chose. Mais donc, c'est une des choses sympas. Du coup, ce que je vous propose, avant de faire un peu de démo et de code, c'est de voir un peu ce que sont les opérateurs. Dans ce cas-là, moi, je prends la doc. La doc, elle est très bien faite, donc je l'ai recopiée dans Kubernetes. Et donc, tout de suite, on voit que pour les gens Kubernetes, un opérateur, c'est quoi ? C'est de faire ce que fait un ops, au final. Faire la même chose, notamment sur tout ce qui est gestion applicative. Donc l'idée, c'est moi je suis ops, je dois gérer le déploiement, la vie d'une application, un opérateur va faire ça. Et l'idée, c'est justement, de comme on fait du dev, c'est d'éviter de faire des choses qui sont un peu rébarbatives, qui sont répétitives et qui sont bug-prone, parce qu'on sait, plus on fait de choses à la main, plus on a des risques d'avoir des problèmes. Je continue ? Si vous faites un peu de Kubernetes, vous savez que tout est basé sur des API. Au final, Kubernetes, on a des API partout. Si vous avez déjà utilisé Kubernetes, vous avez utilisé des deployments, par exemple, ou des services, ce sont des API. Le gros avantage des API, c'est qu'on va pouvoir enrichir Kubernetes sans faire de PR pour modifier le code principal de Kubernetes. Moi, je ne suis pas développeur Go, donc je n'ai pas envie d'en faire. Et puis, je n'ai pas envie de forker. Donc, les API, ça va être super sympa. C'est qu'on va pouvoir rajouter de l'intelligence ou des fonctionnalités à Kubernetes sans devoir modifier le code de Kubernetes. Et ça, c'est cool.
C'est basé sur une notion, alors je vais en parler, je ne vais pas arrêter de répéter le mot custom resource definition. Et du coup, une custom resource definition, en général, ça vient avec custom resource. Et là, je vais commencer mon analogie de développeur Java. Moi, j'appelle ça une CRD, donc une, enfin, c'est pas moi qui l'appelle. La custom resource definition, j'appelle ça une sorte de schéma. Si je prends l'analogie Java, c'est ma classe, en fait. Et ma classe, ici, je vais définir, par exemple, une propriété, name, de type string. Et sa custom resource, c'est une sorte d'objet, en tout cas d'instance de ma classe. Et là, dans mon exemple, ce que vous avez en bas à droite, vous avez une custom resource qui valorise le champ name avec Steph. Ça, il faut bien garder en tête, custom resource définition, on va définir un objet, on va définir un schéma, au final on va voir s'il y a une API derrière, et derrière on va pouvoir, avec la custom resource, instancier de ces ressources au sein de Kubernetes. L'autre élément hyper important dans les opérateurs, c'est la boucle de réconciliation. Alors ça vient avec un pattern, une documentation aussi dans Kubernetes, le pattern contrôleur. Là encore, j'ai repris la doc, elle est bien faite. L'idée, c'est de dire quoi? C'est que Kubernetes, out of the box, il vient avec un truc, c'est que quand vous lui dites de faire quelque chose, il ne va pas arrêter d'essayer que ce soit toujours vrai. Je prends un exemple, vous déployez une application, ça va créer ce qu'on appelle un pod, qui est l'unité atomique d'exécution dans Kubernetes. Et vous pouvez dire, au minimum, je veux deux instances. Dès qu'il y a une instance qui tombe, Kubernetes il va dire, je te remontre une autre instance. Et en fait, ça, c'est ça la boucle de réconciliation. C'est de dire, j'utilise Kubernetes pour que lui, il se dise à chaque moment, ce que tu m'as dit et ce que tu m'as déclaré, il faut que ce soit vrai. On va voir qu'en fait, c'est la base de notre opérateur. Donc, pareil, gardez ça en tête. Donc si je résume, on arrive à peu près à la fin de la partie théorique sur ce que c'est qu'un opérateur. Donc c'est API et CRD, c'est un peu la même chose, mais moi j'aime bien le séparer. Sa custom resource qui va avec, qu'on va avoir besoin d'interagir, et le contrôleur. Et donc là on le voit, en fait, un contrôleur, ça va pouvoir interagir avec des événements internes à Kubernetes ou externes. Donc on va voir qu'un opérateur, en fait, ne gère pas que des applications dans Kubernetes, on peut aussi gérer des applications externes. Et ça va réagir à des événements, pareil, internes ou externes à Kubernetes. En fait, vous allez voir que les opérateurs, on utilise Kubernetes comme plateforme d'exécution et d'intelligence pour nos opérateurs. Et on va pouvoir après vraiment gérer n'importe quoi sur notre DSI. En règle générale, un opérateur, ça gère une et une seule application. Ce n'est pas une contrainte technique, c'est plutôt une bonne pratique qui est dans la doc. C'est un peu comme dans le monde du dev, est-ce qu'on fait un gros monolithe qui gère plein de trucs ou un développement plutôt atomique? À vous de voir, c'est vrai que c'est plus simple, notamment en termes de gestion de cycle de vie. Et puis je le répète encore une fois parce que c'est vraiment hyper important, l'opérateur, son taf, ça va être de maintenir l'état de l'application que vous gérez telle que vous l'aurez déclarée dans la custom resource. On verra des exemples. Il y a deux grandes familles d'opérateurs. Les opérateurs qui font ce qui est en vert à gauche, je ne sais pas si c'est okay, à droite pour vous, vraiment basique. J'installe, je désinstalle, je mets à jour une appli. Voilà ce qu'on pourrait faire typiquement avec Dichartel, de manière assez classique. Et puis ce qui est à droite, ce qui est en bleu, ce qui est à gauche pour vous. Sauvegarder, restaurer, par exemple à chaud, à froid, on sait que ça peut être quand même assez problématique. Rajouter de l'observabilité. Pourquoi pas de la scalabilité. Kubernetes, par défaut, il est très fort pour scaler automatiquement sur la partie CPU, mais il n'est pas bon sur la partie mémoire ou sur d'autres événements. Là, on pourrait très bien gérer les deux. Voire même faire de l'autoconfiguration. Si vous faites du Java, vous savez, de RAM en Java, un opérateur peut apprendre et se dire, en fait, la prochaine fois qu'il va déployer ton application, je vais tout de suite lui mettre 256 de LIP parce qu'en fait, à 128, ton application ne se comportait pas bien. Donc ça, c'est une des fonctionnalités des opérateurs. Une dernière chose sur la partie théorique que peut-être que vous savez si vous avez déjà croisé des opérateurs ou que vous avez commencé à comprendre. Donc ça s'exécute sur Kubernetes. C'est un pod, donc une application qui s'exécute sur Kubernetes. Au final, je peux le développer avec n'importe quel langage. Il va juste falloir que je puisse utiliser des API Kubernetes pour pouvoir dialoguer avec elles ou un client compatible. Et une fois qu'on a dit ça, moi, en fait, je fais une étape au-dessus. C'est-à-dire que je vais utiliser des frameworks. Alors, les frameworks, l'idée, ça va être de simplifier la vie, exactement comme quand on développe au jour le jour. On peut aimer ne pas avoir à être expert ou experte ou avoir absolument besoin de connaître vraiment la base. Donc là, il ne faudra pas utiliser des frameworks, mais plutôt des call API directement. Moi, j'aime bien les frameworks parce que ça m'abstrait des choses. Donc l'idée, je vous dis, c'est que c'est plus simple. Ça permet de se concentrer sur ce que moi, j'appelle le code métier. Je prends un exemple. Si par exemple, mon opérateur, son boulot, ça va être de déployer une web app et s'assurer que la web app allait tout le temps up, j'ai pas envie de gérer la boucle de réconciliation, le déploiement dans Kubernetes, le fait qu'il va bien dialoguer, mais simplement de savoir comment mon application allait up. Donc en fait, les frameworks vont me permettre de vraiment me concentrer sur ce code-là. Le plus connu, si
croisez, si vous recherchez, si vous voulez vous documenter, c'est l'opérateur SDK. Pourquoi c'est le plus connu? Parce que c'est lui qui est référencé dans le doc officiel de Kubernetes. Il y a une partie des équipes de Kubernetes qui l'ont développé. Il est écrit en Go. Et il permet de faire un opérateur sur ces trois technos. Alors, je fais exprès de dire trois technos parce qu'il y a Helm et Ansible qui, pour moi, ne sont pas des langages. On peut en parler après, il n'y a pas de souci. Et Go. Alors, Helm, le level que vous voyez, ce n'est pas un truc officiel, mais quasiment tout le monde parle de ça. Helm, c'est l'équivalent de ce que je vous ai montré en vert tout à l'heure. Donc, c'est installation, mise à jour, suppression. Ça se comprend, en fait. Helm, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'algorithmie en Helm. On peut faire des if et des while. Il faut être motivé. Donc en fait, Helm, il sert vraiment à ça. Le gros avantage, c'est que moi, avant d'être chez OVH, j'étais dans une grosse mutuelle où on avait beaucoup de chartes Helm. Et si vous voulez basculer dans le monde des opérateurs, en fait, c'est un bon moyen d'y arriver. Vous avez votre charte qui existe, et vous avez juste à basculer dans ce monde-là. Si ça vous intéresse, comme je donne aussi une version université de ce talk-là, où je montre comment on le fait aussi en Helm, je peux vous donner des liens où il y a des petits exemples, et vous verrez que c'est super simple à faire un opérateur au final avec du code Helm existant. Ansible, je ne peux en parler, je n'en fais pas, je ne connais pas, et je n'ai pas envie de connaître. donc voilà, Go, j'en fais, je ne suis pas super fan, par contre, vous allez pouvoir tout faire. Ce que je vous ai montré, donc là, et ce qui est normal, c'est ça a été créé avec. Mais je vous ai dit, moi, je suis développeur Java. Du coup, il y a 3-4 ans, quand je me suis intéressé aux opérateurs, j'ai dit, Helm, pas top, je ne peux pas tout faire, Ansible, je ne veux pas regarder, et puis Go, je n'aime pas ça. Du coup, j'ai commencé à regarder, puisque on se l'a dit, hein, c'est juste une application qui tombe dans un pod. En fait, il existe plein de trucs. Il existe en PHP, il existe en Python, vous pouvez le faire en Bash si vous avez envie, vous faire très très mal. Et bien sûr, il existe en Java. Et donc, ce SDK, alors à chaque fois je dis qu'il est assez jeune, mais ça fait maintenant au moins 4 ans qu'il existe, le Java Operator SDK, fortement poussé par les équipes Red Hat. À l'origine, beaucoup de committers sont de Red Hat et les maintainers sont de Red Hat, mais il est 100% communautaire. Ce n'est pas un produit Red Hat. De manière assez classique avec Red Hat, ils poussent d'abord l'open source et puis après ils vont faire un peu de consulting auto. Une des news très récentes, qui est une très bonne nouvelle pour ce SDK, c'est que c'est la semaine dernière, il est officiellement maintenant dans le CNCF. Donc ça, la Cloud Native Computing Foundation. Merci. Donc du coup, ça devient un projet officiel du CNCF, donc ça veut dire qu'aussi il va avoir plus de lumière, et donc il va certainement plus évoluer. Les principales fonctionnalités, c'est basé sur Fabric 8. Si vous ne connaissez pas Fabric 8, que vous faites du Java et que vous voulez dialoguer avec Kubernetes ou faire manipuler des images, c'est le client qu'il vous faut. Moi, je suis amoureux de cette lib-là. Elle est magnifique pour le faire. Vous verrez, on a des petits exemples. Ça nous enlève beaucoup de mal de tête. Ça crée le skelette applicatif d'un opérateur. Ça évite de devoir se souvenir ce qu'il faut faire. Alors que pour le mode Quarkus, on verra un peu ce que ça implique. Mais en tout cas, ça vous automatise ça. Bien sûr, en tout cas, ça vous aide à générer les CRD et le contrôleur. Alors, on est dans Java des années 2020. Moi, j'ai commencé. On n'était pas encore en 2000 à faire du Java, donc les annotations, ça n'existait pas, mais donc maintenant, tout est annotation. Donc, c'est assez simple de le développer. Ça gère la boucle de réconciliation pour nous. Ce n'est pas à vous de la gérer, vous faites votre code métier. C'est vraiment le but. Et le truc qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez l'exécuter en local. Donc, qui dit local, dit avec des débugages possibles. Donc, quand je dis local, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de Kubernetes. Votre opérateur va tourner en local, mais il va échanger des choses avec Kubernetes. Mais du coup, ça évite de packager l'opérateur, le déployer sur Kubernetes, se rendre compte qu'il y a une erreur. Ah, je vais modifier mon code. Par exemple, en Helm, vous n'avez pas le choix. Enfin, on peut se quitter en local, on ne peut pas faire de pas à pas. L'intégration avec Spring Boot et Quarkus. Alors, Quarkus, on le verra de toute façon dans le code, par des extensions. Spring Boot, par un Spring Boot Initializer. Si vous avez fait du Spring Boot, voilà, c'est en fait en arrobas component et puis c'est parti. Donc, ça marche très très bien. Vous pouvez faire aussi le framework de base, hein, c'est du Java Vanilla, donc vous pouvez l'utiliser vraiment à la main comme vous le sentez. Et puis bien sûr, ça va vous packager l'opérateur, parce que je vous l'ai dit, on va l'exécuter en local dans la démo, puis à la fin, on va le déployer sur Kubernetes, parce que ça veut dire que je puisse éteindre mon Mac pour qu'il tourne. Et donc, ça va vous packager tout ça. Un petit zoom sur comment il est architecturé. Donc, ce qui est en orange tout en haut, le Java Operator SDK, c'est vraiment le cœur de la ligne. Et là, on a deux choses. On a la partie initializer pour Spring Boot, qui va vous permettre de faire du Spring Boot, la partie Quarkus extension, qui va vous permettre de faire du Quarkus. Le petit truc en rouge, vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'opérateur SDK au début, Go, Helm, Ansible. Ils ont une quatrième fonctionnalité qui est sympa, c'est que vous pouvez écrire un plugin qui va vous permettre de bootstrapper, de démarrer n'importe quel opérateur en n'importe quel projet. Dans mon cas, en fait, vous allez voir que grâce à la CLI qui est adossée à ce SDK-là, qui à l'origine est fait pour Go, Helm, Ansible, je vais pouvoir créer en fait tout le squelette applicatif de mon opérateur écrit en Java. Ils ont fait ça pour que ce soit centralisé à un seul endroit et que chaque opérateur, enfin chaque techno, chaque SDK ne réinvente pas une CLI. Vous allez voir, l'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir init très très vite
Ce qui est inconvénient, c'est que ça oblige à installer la CLI de l'opérateur SDK, qui en fait vous sert que pour bootstrapper votre projet, parce qu'après vous n'allez pas l'écrire ni en Go, ni en Elm, ni en Ansible. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa. Comme maintenant c'est à la CNCF, le Java Operator SDK, peut-être qu'ils vont l'intégrer officiellement au framework. Qui connaît Quarkus? Qui a déjà fait du Quarkus en production? C'est bien. Le mantra de Quarkus, Supersonic, Subatomic, Java, c'est pas de moi, c'est des équipes Quarkus. Là encore, c'est du Red Hat. Moi, je résume par faire du Java sous stéroïdes. Si en plus vous le couplez à GraalVM, eh ben, vous pouvez ne plus baisser la tête face aux gens qui vous parlent et qui vous rayonnent en tant que développeur Java et pour faire du cloud natif. C'est vraiment fait pour faire du cloud. Avec GraalVM, c'est des démarrages qu'on parle en millisecondes. Il y a des contraintes. On ne va pas faire un talk sur Quarkus, on pourra en parler toute la soirée. Mais si vous ne connaissez pas et que vous avez fait du Spring Boot, intéressez-vous à Quarkus. C'est la même philosophie pour le développeur. Par contre, ce n'est pas la même architecture en dessous, hein, c'est vraiment très différent. Mais en tout cas, l'approche est la même avec vraiment une simplicité de développement qui est vraiment géniale. Donc, je vous conseille de voir. Et donc aujourd'hui, nous, notre opérateur va être écrit en Quarkus, mais il va aussi déployer une application Quarkus. J'y arriverai juste après. Justement, les démos. On va commencer par Hello World. Je pense que là-dessus, comme ça, on ne prend pas trop de risques. On va se créer notre projet avec le plugin. On va créer les éléments de base, notamment la CRD et donc l'API associée. Vous allez voir que c'est un peu la même chose. On va l'exécuter. On ne va pas faire du pas à pas. Enfin, normalement, on n'en a pas besoin. On va utiliser le mode développeur de Quarkus. C'est comme moi, vous avez fait du Java il y a très longtemps. Le mode développeur de Quarkus, c'est ce que promettait Hotspot il y a 20 ans pour faire du remplacement à chaud des classes, mais qui marche cette fois. En gros, vous ne redémarrez pas votre JVM à chaque fois que vous avez changé votre classe. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on fera une petite mise à jour pour aller vers un cas un peu plus concret. On va faire une sorte de GitOps, mais le GitOps du pauvre, hein, attention, hein, je suis en train de redévelopper Argo, des choses comme ça. On va mettre à jour notre CRD, on verra la notion de spec et de status dans les CRD qui est assez sympa. On va créer un service Quarkus, en fait, pour que derrière notre opérateur puisse être appelé de l'extérieur, notamment par un événement. Et on va le packager le déployer dans Kubernetes. On verra qu'il y a une petite subtilité sur la sécurité, sinon ce n'est pas drôle. On va faire ça, au final, ce que je viens de vous dire, pour le use case. Donc on a ce qui est en bleu, ce sera notre CRD. On voit qu'on aura une propriété deploy de type string et dans statut, une deploy de release de type string. Pour faire très court, spec, je vous l'ai dit, c'est ce qui va vous permettre de valoriser des choses et d'indiquer des valeurs dont vous avez besoin dans Kubernetes. Le status, ça va vous permettre soit de stocker un état peut-être de votre opérateur, mais surtout en général de l'application que votre opérateur gère. Par exemple, dans mon cas, ça va être la version de l'application que j'ai déployée pour m'éviter de déployer une application qui est déjà déployée avec la même version. Ce qui est en gris à côté, c'est la CR, la Custom Resource, donc une sorte d'instance de ma CRD. Et donc là, on voit que j'ai simplement le spec puisque le statut, c'est géré en automatique, je n'ai pas à le gérer. Et là, comme j'aime bien les emojis, pour savoir si je déploie ou pas, c'est soit une coche verte, soit une croix rouge. Ce qui est en vert, c'est mon opérateur. Le reconciler, c'est le nom en fait, qu'on donne au contrôleur. Mon service Quarkus, c'est ce qui va être réveillé en fait, par le fait que je vais taguer mon projet dans GitHub. Je pose un tag, derrière ça appelle un webhook qui est représenté par mon service Quarkus, qui génère un événement et qui dit à l'opérateur « réveille-toi, fais des choses ». L'opérateur va vérifier qu'il doit bien déployer une application. Si c'est le cas, il va gérer, il va popper un pod en allant chercher l'image dans une registrie, dans mon cas GitHub. C'est OK pour le use case? Hop là, spoiler. Allez, on y va. Est-ce que c'est assez gros? Je parle de ça, ouais, je sais déjà. C'est trop petit? Un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Peu plus gros. Okay. Allez, on met un petit peu plus gros, il y aura un peu moins d'infos, mais ce n'est pas bien grave. Ce que je vous propose, donc, comment j'ai orienté ça? En fait, j'ai fait une démo, ou plus que ça du live coding, parce que je trouve ça un peu pénible de voir quelqu'un qui tape et qui fait des erreurs de frappe. En fait, j'ai une démo qui se joue et que vous pouvez dérouler branche par branche, ce qui fait que vous allez pouvoir vous amuser à récupérer les sources et à vraiment faire chaque étape que je vais vous montrer, chaque branche étant une étape. Donc, n'hésitez pas à faire des issues, si vous voyez des coquilles ou des choses comme ça, c'est avec plaisir que je les récupérerai. Le webhook, oui, honnêtement, je vais le faire, mais j'en ai pour 30 secondes sur Firefox, donc je peux le repasser en mode clair, et je pense que ça va me prendre plus de temps de le repasser et de vous dire derrière. Hop. Donc, le webhook, si vous ne connaissez pas sur GitHub,
dans Webhook, vous donnez une petite URL externe, vous choisissez quels événements sont envoyés. Dans mon cas, je vous l'ai dit, branche ou création de tag. Tous les liens sont à la fin dans la presse, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les récupérer. Fabric 8, qui va nous servir à échanger avec Kubernetes. Alors, je vous spoil un petit peu, ils ont une super cheat sheet. Par exemple, pour créer un deployment, moi j'aime bien, c'est notation pointée. Je fais tout ça et je ne fais pas de YAML. Je suis développeur, je suis content. Allez voir, franchement, ça va bien. La page de l'opérateur ZK, si vous voulez aller voir, tout ça c'est pareil, c'est en lien. Et puis le Docker Hub, où on va retrouver différentes petites choses. Comme je suis. Tac. Donc, juste pour vous montrer comment on est entre nous et qu'on a un peu le temps. Hop, l'application qu'on va vouloir déployer après. Okay. C'est une application. Donc là, je définis un endpoint hello en Quarkus. Et je dis, tu m'affiches hello world. Faites pas attention, une petite pastille verte et bleue, c'est quand je l'utilise dans un autre talk où je me passe sur une page d'environnement. Et bien, on va y aller. Première chose, initialiser le projet. Alors, je l'ai fait en avance de phase, parce que du coup, ça utilise la petite ligne de commande. Donc, c'est cette ligne-là qui nous intéresse, la ligne 8. Donc, je vous l'ai dit, j'utilise la CLI du SDK d'origine, on va l'appeler comme ça. Derrière, je lui positionne Quarkus comme plugin. Si je fais pas ça, en fait, il va me créer un opérateur en Go. C'est pas ce que je veux, donc voilà. Le domaine de mon opérateur, alors la petite chose à savoir en Java, c'est que si vous aimez bien que vos packages commencent par fr dans mon cas, il faut l'inverser, puisque du coup, pour les custom resource définition dans Kubernetes, c'est l'inverse. Le nom du projet, et une fois que vous avez ça, ça vous crée, alors ça je peux pas le zoomer, le côté gauche de Scott, je suis désolé, ça vous crée cette arborescence, donc qui est très très simple, où j'ai un application properties, où ici, la première ligne, c'est pour builder l'image, on n'en aura pas besoin tout de suite. Et puis, on reviendra sur la dernière ligne. Et là, c'est pareil, c'est le nom de l'image, on n'en aura pas besoin tout de suite. Donc, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Un beau POM XML avec toutes mes dépendances. La petite subtilité qu'il faut savoir, c'est que le plugin dans le SDK est souvent désynchro avec les releases. Là, typiquement, ils ont réalisé récemment. Si vous le créez, vous ne serez pas en 6.1.1 et en Quarkus 3, vous serez encore en Quarkus 2 et en 5 quelque chose. Sur la partie source de l'opérateur. Maintenant, ils font rarement des changements qui sont cassants. Moi, j'ai juste mis la dernière version release, que ce soit pour le SDK ou pour Quarkus, et ça se passe très très bien, donc n'hésitez pas à faire un check sur leur repo pour savoir si vous êtes sur la dernière version. Et puis, il y a un petit makefile. Il y a 20 ans, vous êtes tous des makefiles, puis après on a dit c'est super nul les makefiles, et maintenant tout le monde fait des makefiles. Moi, là, je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser simplement les commandes Maven, parce que j'aime bien Maven. Donc là, on a ça. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est comme j'ai zoomé, mais c'est pas grave. Je vais juste faire ça. Et on va se lancer un premier mode. Donc, Quarkus Dev, il va prendre mon projet, il va le compiler de manière assez classique, et il va se mettre en mode écoute quand je vais devoir, quand je vais vouloir changer des choses. Il va à peu près bien gérer. On verra que parfois, ça peut un peu... Donc là, on lui laisse le temps un peu de se démarrer. On voit qu'ici, il s'est démarré, je suis bien en Quarkus 3.1, et à un moment donné, il me doit me dire, eh bon, en fait, j'ai pas grand-chose à faire, voilà. Il me dit, j'ai rien trouvé, j'ai rien à démarrer, ce qui est normal, t'as pas de code source, jusque-là, c'est assez logique. Donc, on va se créer un petit Hello World pour faire prendre en main un peu l'opérateur. Donc là encore, je vais pouvoir passer par la petite CLI. Je peux lui dire « Create API, version 1, ma custom resource », parce qu'une API, du coup, c'est une custom resource définition, elle va s'appeler « Release Detector ». Derrière, Quarkus, il s'est amusé déjà à faire des choses, là, bon, je vais laisser faire, je n'ai pas besoin d'aller voir plus que ça. Cette ligne de commande, en fait, elle va m'avoir créé 4 classes. Et avec ces 4 classes, je vais commencer à rentrer dans la façon de développer un opérateur où je ne touche pas de YAML et où, du coup, je suis vachement plus content. Donc, ma custom resource définition, vous vous souvenez, c'est vraiment le point d'entrée quand je vais vouloir déclarer mon opérateur. Et du coup, elle est là. Et là, du coup, c'est plutôt assez simple. Je crée une classe. Bon, je mets arrobas version, arrobas groupe. Ça, c'est la CLI qui me l'a mis parce que je l'avais renseigné. C'est gentil. Ma classe, ça s'appelle ResDetector. Je dis c'est une custom ressource. Et je vais avoir un spec et un status. Vous vous souvenez, c'est mes deux sections dans ma custom ressource définition. On ira voir juste après.
Je suis namespace, ça veut juste dire que cette CRD est définie au sein d'un namespace. Un namespace, c'est une isolation dans Kubernetes, une sorte de, j'aime pas dire le mot, mais VM, mais oublié juste après quand je dis ça, sinon je vais me faire gronder par les spécialistes Kubernetes, mais en gros, en tout cas, c'est une isolation qui vous permet d'être vraiment isolé des autres applications. Et juste en faisant ça, si derrière, je vais voir ma spec, en fait, c'est un simple... C'est une simple classe Java, en getter, setter si j'ai besoin. Dans mon cas, pour l'instant, elle est vide, j'ai rien déclaré. Le status, c'est pareil. Là, avec ça, en fait, comme il est sympa, il m'a généré déjà dans le target une belle CRD. Donc, on retrouve le spec et le status. Alors, type object, c'est quand il ne sait pas quoi mettre. Donc là, je peux tout mettre. Mais là, tout ça, en fait, je n'ai pas eu à le créer. Déjà, je n'ai pas eu à me battre avec la tabulation, les espaces. Et moi, je suis dev, je suis content. J'ai une CRD qui est là et c'est cool. L'idéal, ce serait qu'en plus, ça fonctionne aussi sur mon serveur. Et là où c'est cool, je ne sais pas pourquoi on termine la partie, c'est que je ne vous ai pas montré ici, mais j'ai passé ce champ-là, cette clé-là, à trou. Cette clé-là, en mode dev, ce qui va se passer, c'est que dès que je modifie une classe Java, que ce soit sur ma CRD, mon spec ou mon status, il va mettre à jour ma custom resource sur mon cluster de dev, dans mon cas, pour pas que j'aie à faire un kubectl apply de quelque chose. Du coup, je suis désolé, c'est que en ce moment, du coup, ça me... Voilà. On va aller voir tout de suite ce qu'il a fait sur le serveur. Et là, on voit qu'il m'a créé, il y a quelques minutes, il m'a créé une custom ressource qui s'appelle releasedetector.wilda.fr qui correspond en fait à ce que je viens de déclarer. Donc là, en fait, déjà, en expérience utilisateur, quand vous allez être en mode de conception, votre custom ressource, vous n'avez pas à chaque fois à prendre le YAML, l'appliquer sur le Kubernetes. Et ça, moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Et ben, on va passer maintenant à notre vraiment Hello World. Donc, ce que j'ai fait... Hello World, ce que je veux en fait dans mon use case Hello World, c'est que je veux quand dans ma custom resource, je mets un nom, un prénom, ce que vous voulez, et que ça me fasse Hello World machin, et que quand je supprime ma custom resource, ça me dise au revoir machin. Du coup, la première chose, c'est que je vais changer mon spec. Je vous l'ai dit, pour l'instant, il était vide, je veux pouvoir passer des valeurs grâce à ma custom resource. Du coup, là, je mets machin name, getter, setter. Vous vous doutez que. Du coup, si je n'ai pas trop menti, si je vais voir le YAML qui est généré, je me retrouve maintenant dans mon spec, dans ma properties, j'ai bien un char name de type string. Jusque-là, tout va bien. Du coup, derrière, on peut s'amuser avec kubectl, donc c'est, si vous n'avez pas fait de Kubernetes, c'est la ligne de commande Kubernetes, et on peut aller récupérer des objets. Là, en fait, ce que je passe, c'est que je dis, donne-moi ma CRD, tu me la mets au format JSON. Je ne sais pas si vous utilisez GQ, mais c'est ce qui permet en fait de faire du parsing de JSON en ligne de commande. Et je dis que tu me sors en fait la partie où il y a les specs. Et donc là, on voit bien que sur le serveur, j'ai bien name de type string. Encore une fois, il a géré pour moi le SDK, il est sympa. Et du coup, voilà. Maintenant, il va falloir que j'ajoute mon intelligence, entre guillemets, de mon opérateur, qui pour l'instant va être assez réduite, mais quand même. Donc, le reconciler, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais au final, c'était la même chose, mais avec une classe vide. Donc, quand il m'a créé mon reconciler, le SDK, il m'a injecté ici le client Fabric 8. On est en Quarkus, donc l'injection se fait soit par constructeur, soit par annotation inject, vraiment comme dans Spring au final. J'implémente une interface reconciler, je lui donne la CRD. Cette interface-là, pardon, elle m'oblige à implémenter la méthode reconciler. Dans mon cas, ce que je vous ai dit, la méthode reconcile apprend en paramètre la ressource, la custom ressource. Ce qui va se passer, c'est que Kubernetes, en fait, à chaque fois que je vais avoir création, modification, mise à jour de la custom ressource, il va appeler cette méthode-là en passant la custom ressource. Donc, dans mon cas, je sais que ma custom ressource, elle a une section spec, et que dans cette section spec, pardon, elle a un char name. Donc voilà, quand je passe là, je dis hello world from, et puis je lui affiche. Et la suppression, elle est gérée un peu à part. Elle se fait avec l'interface qui est ici, cleaner, pareil, je passe ma custom resource. Et là, j'affiche mon petit message derrière. Et derrière, on peut renseigner. Là, je fais no update parce que je ne mets pas à jour le status. On verra qu'on peut modifier ce comportement après. Et le default delete, j'en reparlerai tout à l'heure quand on supprimera les applications. Du coup, une fois que j'ai fait ça, ce qu'on veut, c'est tester. Et là, il faut que je crée une custom resource. Vous vous souvenez, la custom resource définition a défini une ressource. Et la custom resource, c'est la ressource en elle-même. Donc là, j'ai une custom resource. Je suis dans mon
ici domain name et ma version. Ça, c'est mon type de custom resource. Pour les metadata, on s'en fiche simplement pour afficher un nom quand je suis dans Kubernetes. Et je vous dis, j'ai spec, name, et là, je mets ce mot. Donc là, du coup, je suis en train de définir une custom resource de type release detector et je valorise mon name de mon spec. Et du coup, je vais créer un namespace de thèse. Donc, je voulais dire, les namespaces, ça permet d'isoler, ça m'évite de mettre un peu le bazar partout sur mon cluster. Et je vais pouvoir appliquer. Donc, toujours pareil, je suis dit kubectl apply. Encore une fois, si vous ne l'avez pas beaucoup utilisé, il est très dans la descriptive de ce que je veux faire. Là, kubectl apply -f, c'est-à-dire que je vais appliquer un fichier descriptif, dans mon cas qui est S33 qui s'appelle comme ça, et je vais l'appliquer dans le namespace test hello world opérateur. Je ne vais pas namespace, il met dans un namespace default, qui est un peu le namespace racine. Ce n'est pas une très bonne pratique parce que j'ai retrouvé plein de choses dedans, ce n'est pas super. Ça, je vais l'agrandir pour qu'on voit un peu les sorties de mon opérateur. L'opérateur, il tourne en local, hein, vous vous souvenez, je ne suis pas sur Kubernetes. OK. Mettons dans mon répertoire, ça marchera beaucoup mieux. Et donc là, je suis passé dans mon opérateur, j'ai créé ma custom resource, pardon. Donc du coup, mon Kubernetes a dit, hey, opérateur, tu dois te réveiller parce que cette custom resource de type release detector a été créée. Je suis passé dessus et j'ai récupéré la valeur telle que je vous l'avais donnée. Et si je fais la méthode miroir, c'est-à-dire la suppression, je devrais passer dans le delete. Donc là, pareil, delete, et puis je dis ce que je veux supprimer. Et là, vous voyez, goodbye, etc. Donc là, au final, si on regarde un petit peu, juste pour résumer le Hello World avant d'aller un peu plus dans le dur, moi, en tant que développeur, j'ai codé un opérateur en Java qui demande beaucoup de YAML normalement, parce qu'il y a aussi des droits, il y a aussi des choses comme ça. J'ai que fait du Java et j'ai fait que quelques lignes de Java. Donc moi, pour le coup, ça, je trouve ça plutôt cool. C'est ce qui m'a vraiment plu dans cette optique-là. Je ne sais pas si vous connaissez les 12 Factor App. Moi, on m'en a beaucoup parlé il y a pas mal de temps. L'idée, c'était de dire, quand tu développes avec une techno, l'idéal, c'est de pérenniser cette techno du début quasiment jusqu'à la fin, même jusqu'à l'ops. On peut presque s'amuser à dire, après tout, si je développe une appli Java, autant que mon opérateur qui va faire l'ops sera en Java. Bah, c'est pareil, on peut en parler toute la soirée, savoir si c'est une bonne chose ou pas. Et ce que je vous propose, c'est de partir maintenant sur le use case, le vrai, celui où on veut un peu de autre chose que juste Hello World, parce que ça suffit pas. À mettre ça. Et là, je vais vous sortir le truc classique des développeurs, c'est une erreur normale. Alors là où Quarkus ne peut pas faire de magie tout le temps, c'est que là, en fait, j'ai modifié le POM. Donc, du coup, il a besoin de descendre des dépendances. Et là, pour le coup, il commence un peu à tousser un peu le mode dev, de dire « t'es gentil, tu me déclares ça, je n'ai pas encore récupéré. » Donc, allez, je suis gentil avec lui, je lui fais un coup d'arrêt redémarrage, mais du coup, ça va redémarrer tout seul. Donc vous vous souvenez, là ce que je veux c'est déployer une application sur un événement. Donc, je vous ai montré le webhook, alors le webhook je vais revenir de l'extérieur comment on va le faire. Moi ce qui va m'intéresser c'est déjà de déclarer le endpoint que je vais pouvoir appeler depuis GitHub. Là j'utilise Quarkus, c'est toujours pareil parce que je trouve ça super simple. Pass webhook, event. Je lui dis tu vas consommer du JSON. Comme c'est bien fait, en fait, j'ai juste à déclarer. Je suis sur une machine en remote, c'est pour ça que je mets un peu de temps. J'ai juste à déclarer un POJO classique en Java, les champs getter, setter. Donc ça, c'est, je mets que les deux champs en fait, qui m'intéressent, que je vais recevoir, le ref et le ref type. Le ref type, je vais vous l'expliquer vraiment juste après. Et en fait, le ref type, il me sert juste, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le webhook, c'était tag et branche. Et moi, ce que je veux, c'est simplement agir sur la création d'un tag. Donc, du coup, je teste que je reçois un événement de type tag. Je fais un petit log. Et puis, je déclenche un événement de mon opérateur. Et en fait, du coup, là, ce qui va nous intéresser, donc là, on va avoir un peu plus de code à regarder. Dans l'opérateur, je vais garder exactement la même structure. C'est-à-dire que j'ai la même classe, j'ai les mêmes implémentations. J'ai juste deux, trois petites choses qui changent et on va les voir tout de suite. La première chose, c'est la méthode qui va me permettre de créer un événement. Pour ça, le SDK vient avec plusieurs types d'événements. Ce talk-là, avant, je le faisais avec à l'inverse. C'est moi qui allais pouler, qui allais récupérer l'état du tag dans GitHub. Donc, toutes les 30 secondes, je disais à GitHub, hey, t'as un nouveau tag, t'as un nouveau tag. Alors, il y a deux choses qui sont un peu pénibles. C'est que moi, si on me fait ça dans la journée,
enfin, je me retourne, je mets une grande baffe à la personne. Bon, voilà. Et deuxièmement, si vous avez utilisé les API GitHub, en fait, vous êtes limité à 60 appels par heure à vos API GitHub. Donc, de toute façon, vous allez très vite les surcharger. Et puis, dans l'idée, le mode pull, quand même, dans la gestion événementielle, ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère faire du push. Donc, c'est pour ça que j'ai transformé en mode push. Donc, du coup, j'ai juste à dire, je déclare en fait un événement. Donc, dans le plus simple possible, dans le SDK, c'est le simple inbound event source pour dire j'ai un événement entrant. Et alors j'ai mis un petit produce, c'est juste que ça me permet de me dire dire à Quarkus quand je veux une référence d'un objet de type simple input event source, il va appeler cette méthode là pour créer l'objet. C'est juste voilà vraiment le pattern producer classique. Et donc la méthode fireEvent qui est appelée, bah du coup je vérifie. Alors le resource ID c'est l'ID qui est associé à la custom resource. On va le voir juste après dans la partie reconcile. Quand je rentre dans le reconcile, je récupère cet identifiant là. Ça me permet juste de n'agir que si j'ai une custom resource qui a été créée. Si je n'ai pas créé de custom resource, c'est que je ne veux rien faire. Ça ne sert à rien que je balance des événements de partout. Je récupère ma petite queue entre listes que je veux déployer et je balance un événement sur la boucle d'événements de l'opérateur en disant maintenant c'est à toi de gérer. Vous vous souvenez, je veux déployer une application Quarkus qui dit déployer un pod dans Kubernetes, dit à minima un deployment, donc qui est en fait le fichier descriptif qui permet de créer un pod et son conteneur qui est associé, et un service qui va permettre en interne de Quarkus d'accéder à ce pod. Je vous l'ai dit, moi j'utilise Fabric 8. Hop là. Du coup, pour créer un deployment, j'aurais pu charger un YAML et Fabric 8 vient avec un serializer, deserializer qui permet directement de créer l'objet deployment en correspondance, mais ça voudrait dire que je fais du YAML, je ne veux pas faire du YAML. Du coup, je le crée voilà, de manière pointée, assez classique maintenant, depuis pas mal de temps en Java. Ce que j'aime aussi, pourquoi je préfère le faire comme ça, c'est que là, je pourrais vraiment rajouter un dynamisme et en fait, du fonctionnel à ma création de deployment. Là, dans mon cas, le seul dynamisme que j'ajoute, c'est que je lui mets la release que je veux déployer. Donc, on pourrait imaginer vraiment un truc un peu plus complexe. Et ce qui me plaît aussi, c'est que ce add owner référence, vous vous souvenez, je vous ai parlé du delete. En fait, si vous avez déjà entendu parler des finalize dans Kubernetes, en Java, c'est une sorte de try catch finally, c'est de dire quand je supprime quelque chose, appelle-moi et je vais faire du code. Et ben en fait, c'est ça le add owner référence, c'est juste de dire je te lis en fait pour que tu fasses du code. Et comme ils sont sympas dans le framework, juste de faire ça en fait, il va juste dire bah, avant que je supprime ma CR, je vais supprimer en cascade tout ce que tu m'as flagué comme add owner référence. Pourquoi je vous dis que ça fait appel au finalizer, c'est qu'en Go en fait, il faut le coder à la main ça. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un finalizer et supprimer ses ressources les unes après les autres. Pour le coup, avantage au SDK en Java. Le service, c'est exactement la même logique. Je construis mon service en Java, je lui mets un peu de dynamisme dans mon cas, c'est le port qui j'ai perdu. Ah ben non, même pas là, le port, je l'ai mis en dur, pardon. J'aurais pu ne pas le mettre en dur. Là, j'ai mis un autre port. Ça va me permettre d'avoir mon application Quarkus. Ça va me permettre d'y accéder sans déclarer ce qu'on appelle un ingress dans Kubernetes, parce que j'ai fait le deployment, j'ai fait le service. Tout ça, c'est juste en interne. Si je veux de l'extérieur y accéder, j'ai plusieurs façons de faire, j'ai des ingresses. Le node port, en fait, ça vous permet d'accéder directement à l'IP du node de votre cluster Kubernetes. Il ne faut surtout pas le faire en prod, hein, parce que les nodes, ils arrivent, ils pop quand ils veulent. Votre IP, elle change tout le temps. Enfin voilà, pour la démo, ça suffit. On va avoir un ingress juste après pour mon opérateur en lui-même. Là, je vais préférer faire un ingress. Allez, la partie un peu plus tricky de l'opérateur, mais vous allez voir que ça reste encore super simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose que je fais là, c'est que je récupère le namespace, c'est-à-dire l'endroit où je crée ma custom resource. Pourquoi? Parce que je veux déployer mon application Quarkus à l'endroit où je crée la custom resource. C'est mon choix de feature, on va dire. Derrière, je récupère un peu le status de ma custom resource. Je vous l'ai dit, je vais stocker dedans ce que j'ai déjà déployé, donc ça va me permettre après de vérifier des choses. Et je récupère de ma custom resource le champ deploy que je stocke ici dans ma variable. Donc, je vous l'ai dit, la resource ID, c'est l'identifiant unique de ma ressource. Pour ça, j'ai la classe resource ID from resource qui me permet avec un simple temps de l'avoir. Et la première chose que je fais, c'est que je vais tester si je dois déployer ou pas mon application Quarkus. Il y a deux choses qui me la font déployer. Un, j'ai envie de la déployer si jamais j'ai une nouvelle version. Et deux, je m'assure que ma current release, elle est bien
elle est bien différente de nulle, qu'elle n'est pas déjà déployée, etc. Donc là, c'est juste pour rajouter un peu de fonctionnel. Et derrière, je vais la déployer quand je rentre. Alors, pour le déployer, hyper simple, je fabrique mon deployment que je vous ai montré tout à l'heure. Derrière, je vérifie s'il est ou pas déjà déployé pour pas l'écraser. Et puis, je lui dis deployment create. Je fais exactement pareil pour service. Je fabrique mon service et derrière, je le crée et je le déploie. Si j'ai un statut qui est présent, je mets à jour le statut avec la release actuelle que je viens de déployer. S'il n'est pas présent, je crée le status pour pouvoir lui renseigner la release que je viens de déployer. Là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, à Hello World, là, je suis en patch status, c'est-à-dire que je vais indiquer en fait à l'opérateur que je viens de patcher le statut de ma custom resource. Le cleanup, je ne fais rien de méchant, je mets juste la ressource ID à nul parce qu'en fait, c'est une variable d'instance, et je ne veux pas qu'elle reste avec une ancienne référence. Et je fais le default delete grâce à mon add owner référence dont je vous ai montré, qui va me permettre de supprimer en cascade toutes les ressources que j'ai flaguées comme ayant comme pair cette custom ressource, ou comme mère plutôt. Et une fois que j'ai fait ça, grosso modo, j'ai fini de coder mon opérateur, en tout cas la logique. Je n'ai pas montré la custom ressource en format YAML, mais du coup, vous retrouvez ici le status avec mon deploy de release et le spec avec mon deploy, les deux étant de deep string, puisque automatiquement, ça a été mis à jour grâce au SDK. Et j'ai envie de dire, testons. Hop là. Bon, là, dans le DADOC, je vous indique quelles dépendances rajouter, etc. On l'a vu un peu ensemble. Dans POM, j'ai dû relancer ma machine. Je vais juste me positionner au bon endroit pour créer tout ça. Donc, là encore, je vais me créer un nouveau namespace parce que j'ai pas envie de déployer là où je l'avais créé. La custom ressource de test, au final, elle est en image de la custom ressource définition, c'est-à-dire qu'elle est toujours de type release detector. Et j'ai un champ deploy et je mets une petite coche verte pour dire si jamais tu as un event, tu auras le droit de déployer. Et puis, c'est parti. On va l'appliquer. Hop. Ça, c'est mon opérateur qui tourne. Donc là, le kubectl apply comme tout à l'heure. On lui laisse le temps de se réveiller. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis passé dans mon reconciler. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas eu d'event externe. J'ai juste en gros initialisé mon opérateur, et il sait que du coup il aura le droit de déployer quand il va recevoir un événement. Alors je pourrais faire un tag dans GitHub, quand je teste en local, je ne peux pas, parce que de toute façon c'est mon MacBook qui exécute, donc GitHub ne le voit pas. Donc on va se faire un petit curl pour tester. Hop. Donc localhost 8080, c'est par défaut Quarkus démarre là-dessus, et le /webhook/webhunt, vous vous souvenez, c'est mon endpoint que j'expose à l'extérieur. Et ça, c'est le JSON, une partie du JSON, parce qu'il est comme ça le JSON de GitHub, en tout cas, les éléments qui me vont bien. Donc là, on voit qu'il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai affiché le deployment et le service dans les logs. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce qu'il met là. Il déploie une nouvelle release, 1.04. On va quand même aller vérifier tout ça. Je vais monter juste. On va vérifier ce qu'il a fait. Normalement, là, je vais laisser assez de temps parce que ça démarre quand même assez vite. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait sur mon cluster kube dans le namespace Java Operator? Il m'a bien déployé un pod. Il est déjà en running. Et puis mon service avec, alors j'ai pas d'external IP parce qu'il ne le met pas en mode node port, mais ici j'ai un service qui est créé. Du coup, si je peux. Donc ce que vous avez ici, c'est chez OVH, c'est. Le DNS que j'ai moi sur mon cluster kube, qui est mon autre port. On retrouve le port, je vous ai montré tout à l'heure, 3080, et puis le endpoint hello. Et si tout va bien, voilà, ça met hello world, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc là, en fait, il m'a vraiment déployé sur mon Kubernetes mon application. Et du coup, je peux m'amuser à aller voir ce que je vous ai dit, le status. Donc je vais reprendre un petit coup de. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère. Custom ressource et je vais la piper en format JSON et je vais regarder son champ status et il m'a bien mis deploy et release à 1.04. Donc, du coup, quand je vais repasser après, il saura que c'est en 1.04 et je n'aurai pas besoin de le refaire. Donc ça, c'était pour la partie locale. En fait, ce qu'on va faire maintenant, donc je supprime, je vous montre juste que effectivement
Voilà. Quand on supprime la custom ressource, il m'a tout supprimé. Puisque de toute façon, j'avais tout flagué comme à supprimer une fois que j'avais la custom ressource. Donc la dernière partie de la démo, c'est de le packager pour le déployer sur un vrai cluster Kubernetes. Du coup, je vais pouvoir couper mon mode local et puis on va tranquillement partir sur la dernière partie. Avant, ça mettait moins de temps, mais maintenant, il supprime de manière un peu plus. Bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que mon code, il ne change pas. Enfin, ce qui est normal, heureusement. Packager en image, là, je vais revenir sur les petites propriétés que je vous ai montrées en tout début de Talk. Voilà. Donc, je build mon image à trous. Wilda, c'est simplement mon handle côté Docker Hub. Donc, il va me mettre ça avec mon builda slash. Ça, c'est le nom de l'image qui va générer, l'image qui contient mon opérateur cette fois. Le namespace qui va contenir mon opérateur. Ça, on s'en fiche, il ne l'utilise plus, de toute façon, on n'est plus en mode dev. Pour générer l'image, alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, par défaut, c'est utilisé Jib. Je ne sais pas si vous connaissez Jib, c'est en fait une lib Java qui vous permet de générer des images sans écrire le Dockerfile. Toujours pareil, presque sans écrire le Dockerfile. En tout cas, c'était par défaut. Maintenant, il ne le fait plus par défaut parce qu'ils ont trois implémentations différentes. Donc, si vous voulez générer une image avec l'opérateur, bah, faites pas comme moi, passez pas deux heures à pas comprendre pourquoi votre image n'est pas générée. Il faut rajouter la dépendance d'extension Jib de Quarkus et ça vous générera automatiquement l'image. J'ai passé un peu de temps. Pourtant, c'était marqué dans la doc, mais comme vous savez, lire la doc, c'est triché. Donc là, en fait, j'ai juste à faire nvl clean package. Et comme j'ai Jib qui est activé, vous allez voir qu'à un moment donné, donc là, c'est pas grand chose à compiler, donc ça va aller assez vite. Il va tranquillement me générer une image qui va me permettre après de la déployer. Donc on voit qu'il commence déjà à faire des petites choses. Voilà, ici, il utilise l'image UB8 OpenJDK 11 de Red Hat. Moi j'aime bien les images chez Red Hat sur le côté UB8. Je pourrais le changer. Et puis du coup, derrière, si je fais un Docker image en cherchant, il y a 14 secondes, il m'a bien créé cette image-là. Il a repris la versionning Maven. Ça, c'est pareil, ça peut être changé. Je ne fais pas Docker login, Docker push. Il y a peu d'intérêt, mais l'idée, c'est d'après de la pousser sur votre registry. Parce que du coup, l'idée, ça va être de la déployer sur Kubernetes. Une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Kubernetes, il m'a généré un autre fichier. Et ce fichier-là, vous allez être content de ne pas devoir l'écrire. C'est un gros fichier YAML. Je vous l'ai dit, l'opérateur, quand je suis en mode dev, en fait, il utilise les credentials qui sont attachés à mon client kubectl. Il se trouve que moi, sur ma machine, comme quasiment 99% des cas, quand vous allez récupérer un kubeconfig d'un Kubernetes que vous allez avoir créé ailleurs ou même en local, vous êtes cluster admin. Et quand vous êtes cluster admin, vous pouvez tout faire. Mais quand vous le déployez, l'opérateur ou n'importe quoi dans Kubernetes, en général, vous n'êtes pas cluster admin, c'est mieux. Et ce que dans ce fichier YAML, en fait, je vais avoir toute la sécurité et tout ce qu'il faut pour déployer mon opérateur. Donc c'est pour ça que j'ai un service account, j'ai des rôles, j'ai aussi le deployment à la fin qui va avoir tout mon opérateur, j'ai un ingress, j'ai etc. Donc tout ça, en fait, ça va vraiment permettre à l'opérateur d'être déployé. Mais si vous avez besoin de config particulières, alors vous créez un répertoire Kubernetes dans le main de votre source avec un fichier kubernetes.yml. Et non pas YAML, là aussi, vous pourriez passer une heure ou deux à ne pas comprendre pourquoi ce que vous mettez dedans n'est pas rajouté. En fait, ce qu'il prend, c'est qu'il prend ce qu'il y a dans ce fichier-là et il l'ajoute dans le fichier que je vous ai montré juste avant, qui a plein de trucs. Dans mon cas, moi, j'ai rajouté un ingress. Vous vous souvenez, je veux que GitHub appelle mon opérateur, mon cluster cube que j'ai popé. Heureusement, par défaut, il ne dispose pas tout ce qu'il faut. Et donc, je crée ce qu'on appelle dans Kubernetes un ingress qui va permettre d'exposer mon endpoint Quarkus pour qu'il soit appelé de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. On verra qu'il va me servir un peu à autre chose aussi. Hop. Derrière, eh ben, c'est parti. Du coup, on va... Hop là. Je suis un peu fini, j'aurais pu le faire à la main, mais c'est pas grave. On va donc du coup déployer l'opérateur sur le cluster. Donc, j'utilise le fichier Kubernetes. Vous allez voir qu'il va me partir tout ce que j'ai besoin. Et là, il me dit, ah oui, j'ai pas créé le namespace. Hop, donc je crée son petit namespace. J'ai pas trouvé l'option pour qu'il me le crée par défaut. Je trouve ça dommage. Je le repasse. Ok, il me crée tout, il me crée des rôles, il me crée mon deployment. Là, si je commence à regarder ce qui s'est passé, je devrais voir des choses qui se créent. Donc là, on voit qu'il a popé un pod. Bon, il est encore
en running. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va nous laisser le temps. On va lui afficher un peu les logs quand même. Là, c'est cube CTL. Logs, je prends le nom de mon pod. Je le mets en mode stream et je lui rajoute le namespace. Là, je vais juste streamer les logs comme je faisais en local, mais cette fois c'est à distance. On voit que je retrouve la même chose, qu'il a démarré, super. Et comme je suis super confiant, eh ben, je vais créer mon je vais surtout agrandir ma fenêtre, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je suis sur quelle branche, ouais, je vais créer ma custom en source, vérification déployée, c'est parce que je suis... Le problème du zoom, c'est que, voilà, tac, 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 et voilà, je recrée ma custom ressource pour demander le déploiement. Je vais avoir ma petite ligne qui nous dit qu'il est prêt, et cette fois, je vais pouvoir tester mon déclenchement. Donc là, la petite différence, c'est que du coup, je ne flag plus localhost, je flag l'IP de mon ingress. Et ça ne marche pas. Là encore, il faut faire le coup du ça ne marche pas, c'est normal. En fait, ça vient de ce que je vous ai dit. Moi, quand j'ai testé, j'étais cluster admin. Cluster admin et mon opérateur, vous vous souvenez, j'ai dit namespace. Ok, tu vas gérer dans ton namespace. En fait, mon opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans un autre namespace et il déploie une application. Ça, c'est bien parce que j'exécute en cluster admin et je peux tout faire sur mon cluster. Mais là, du coup, je l'exécute avec un droit spécifique pour mon opérateur. Et le premier truc que ce droit il lui fait à mon opérateur, c'est qu'il dit surtout, tu ne vas pas les mettre là-dedans ou ailleurs parce que je n'ai pas envie que tu aies supprimé des pods ou qu'ils ne t'appartiennent pas. Et là, ce qui se passe, c'est que l'erreur que j'ai, c'est que ça me dit, bah, t'es gentil, mais je n'ai pas le droit d'aller dans un autre namespace déployer une autre application. Ok. Et ça se résout avec le fichier kubernetes.yaml que je vous ai montré tout à l'heure, où je mettais moi un ingress. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pareil, c'est à ne pas faire en production. En gros, ce que je lui ai mis là, je lui dis, écoute, les ressources secrets, service account, service et deployment, tu peux faire ce que tu veux de n'importe où. En gros, je lui ai mis du cluster admin sur ces quatre ressources. C'est vraiment à ne pas faire, mais ça me permettait d'aller plus vite. Le petit properties, là, on peut passer l'image build à fausse, parce que du coup, je n'ai pas besoin de redéployer l'image, j'ai juste besoin de régénérer en fait mes metadata et mon kubernetes.yaml pour qu'il me génère tout ce qui va bien. Du coup, il y a du temps pendant qu'il travaille, je vais récupérer la petite ligne qui va... valider que je vais le faire ici directement. Bref. Je remets tout ce qui va bien. Du coup, normalement, ici, il m'a régénéré. Déjà en ligne, CTL logs. On va récupérer. Hop, celui-ci, vous avez vu que si vous regardez par rapport à mon historique, en fait, il m'a bien déployé un nouveau pod, hein, il finit pas pareil. Tac. J'ai pas mis mon F, donc du coup, ça a été. Donc là, il a redémarré, j'avais encore ma custom ressource, donc du coup, il est resté comme ça. Et je vais pouvoir, cette fois, de nouveau, refaire mon test et vérifier qu'à la fin, quand même, il me déploie ce que je lui ai demandé. Donc là, il retrouve de nouveau Gmail log. Je vais quand même appeler par acquis de conscience. Et j'ai bien mon application qui est déployée. Donc là, en fait, j'ai vraiment tout qui a été créé et tout qui est déployé. Là, c'est la fin de la partie démo. Tout ça, vous pouvez le regarder vraiment, comme je vous dis, à tête reposée. Il n'y a aucun souci. Et du coup, je vais juste finir avec deux, trois petites notions pour rappeler un peu et après. Donc, bah, normalement, vous êtes un peu comme ça. En tout cas, moi, j'étais comme ça. J'étais cool. Je connais les opérateurs. Encore une fois, j'accepte de ne pas connaître ce qui est dans le moteur. J'ai juste soulevé le capot. Et moi, ça me va très bien. Je suis dev. Et encore une fois, je n'ai pas envie d'être expert Kubernetes et de savoir tout ce qui se passe. Si on doit retenir deux, trois trucs.
C'est un projet qui est, alors je dis jeune, faut que j'arrête. On est en V5, c'est des vraies versions. Là, ils vont certainement réaliser une nouvelle version dans pas longtemps. Et en tout cas, le cœur a été réalisé. Je vous l'ai dit, il y a des petites dissynchros entre les plugins et tout ça. Bon, il y a juste 2-3 versions à mettre à la main. Franchement, c'est pas de la mer à boire. On peut faire quasiment tout. En tout cas, bon, j'ai pas non plus développé 50 opérateurs, mais on peut faire quand même beaucoup de choses. Le mode local, moi je trouve ça vraiment génial. La génération et mise à jour de toutes les CRD et autres reconcilers. C'était très ou trop orienté Quarkus. En tout cas, moi, j'ai choisi de le faire en Quarkus. Si vous l'utilisez en Java, vraiment vanilla, vous pouvez. Mais je trouve ça dommage de se priver de Quarkus. Puis c'est du Java quand même. C'est quand même vachement plus classe que du Go. La suite, alors OLM, Operator Lifecycle Manager, en gros, c'est un hub où vous pouvez déployer vos opérateurs. Si vous avez utilisé OpenShift, c'est ce qui vient avec OpenShift, où quand vous voulez déployer un opérateur, vous avez une belle interface graphique, où en fait, c'est ça, OLM. Alors, ce n'est pas forcément lié au code, parce que c'est du packaging, mais je sais qu'ils travaillent dessus pour nous simplifier la vie, donc voilà. Des events source un peu plus simples, je vous ai parlé du mode pooling, c'est un peu plus compliqué à faire, je trouve qu'ils devraient le faire de manière un peu plus simple. Et bien sûr, des correctifs, parce que c'est un projet qui vit. Allez sur leur Discord, qui est référencé dans leur page. Ils sont adorables et ils répondent à toutes les questions, même les plus bêtes, quand on découvre. Donc c'est vraiment cool. En prod, Keycloak, l'opérateur Keycloak, qu'on utilise quasiment maintenant tous quand on veut faire du Keycloak sur Kubernetes, il est écrit avec ce SDK. Vous allez me dire Keycloak, Red Hat, SDK, Red Hat. Bon, okay. Mais en tout cas, ça fonctionne. Apache Flink, si vous connaissez, Airflow, etc. On va pas se mentir, hein, 90% des opérateurs sont écrits en Go. Le reste, ils ont encore un peu de Helm qui traîne. Mais Fluent Java, voilà, ça prend de plus en plus. Un petit peu quand même, je ne vous ai pas beaucoup parlé de VH Cloud. Vous m'avez dit que vous connaissiez, donc du coup, vous savez certainement qu'on est un peu partout dans le monde. Si vous voulez vous amuser à faire tout ce que j'ai fait là, vous pouvez vous créer un compte. Vous avez un petit crédit de 200 euros qui vous permet de faire du Kubernetes pendant un paquet de semaines si vous êtes un peu intelligent à supprimer vos instances quand vous n'en avez plus besoin, par exemple. Ce sera dans le public cloud, vous allez voir, on a du Kubernetes manager, un load balancer qui vous évite de gérer les ingresses et la partie registry, si vous voulez pas faire comme moi, le mettre dans Docker Hub, parce que ça devient un peu pénible pour gérer tout ça. Merci. Donc, ce qui est à droite, c'est les slides avec toutes les références des codes sources, etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez que les sources, c'est à votre gauche. Et si vous voulez me laisser un petit feedback, c'est au milieu, c'est open feedback. Soit mettre des petits tampons, soit mettre un petit texte, ce sera avec plaisir. Et juste derrière ce slide-là, il y a plein de liens aussi qui m'ont permis de construire le talk, donc la doc Kubernetes, etc., etc. Voilà, merci à vous. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez quelques questions, vous n'hésitez pas, parce qu'il nous reste quelques minutes. Oui, c'était juste pour info. Hein. Vous connaissez Fabricate ? Pas Fabricate, pardon. G-Cube ? Oui. Le Fabricate, alors justement, c'est déprécié, c'est abandonné. Non. Sur pas mal de item. Pas sur la partie. Mais pas sur. Parce qu'il parle de G-Cube, le Maven, le Kubernetes Maven plugin. C'est pas pareil. Alors j'ai pas regardé totalement ce qu'il fait. G-Cube, c'est plus pour simuler un Kubernetes. Fabricate, c'est pour dialoguer avec Kubernetes. Alors cette partie de Fabricate reste toujours en vie, quoi. C'est la base du SDK et c'est la base de tellement de projets. La partie dialoguer avec Cube et dialoguer avec Docker, ouais. Enfin, en tout cas pour manipuler des images, ça reste vraiment... Alors ok, parce que du coup, quand je tape Fabricate, je l'ai tapé... Ils disent que c'est déprécié sauf la liste voilà, c'est ça que j'ai parlé. En fait, ils te disent que c'est déprécié sauf cela. Sauf cela, alors c'est les cela que j'ai parlé. Fabricate, c'est la boîte en fait. Ouais, ouais. Donc oui. Derrière, il y a plein de... Donc c'était ça, c'était pour... Non, c'est la base du SDK. C'est la base. Et en plus, il participe, les gens du Shared Data participent à Fabricate. Mais comme je sais qu'il y a des gens aussi du Shared Data qui font G-Cube, peut-être qu'à un moment donné, ils vont plus intégrer de G-Cube. Ou alors, ces gens de Red Hat qui font G-Cube, c'est chez Eclipse. Oui, sauf que le mainteneur principal, il s'appelle Sun, et la dernière fois que je l'ai vu, il avait un chapeau rouge. Et... C'est un mec garde Red Hat, je m'en rappelle plus de son nom. Mais... Ah oui, bah oui. C'est pour ça que je dis, la dernière fois que je l'ai vu, il avait un chapeau rouge. Il a une casquette aussi. Il est bien en plus, oui. Ouais, il est, si vous voulez, alors G-Cube, alors, il y a le replay à Devox, il a fait un super talk sur G-Cube. Qui est quasi à l'origine du projet. Ouais, c'est ça. C'est plutôt cool. Il explique justement oui. Vraiment la philosophie du truc et pourquoi il a voulu créer ça. Génial.
Je laisse poser parce que j'ai encore deux questions, donc je laisse aux gens. J'ai marqué, c'était une très bonne présentation et tout. Merci. Et c'était quand même clair et c'était bien illustré aussi. Là. En tout cas, le problème au début d'éclairage, hein, ça n'a pas mis trop de temps avec le Mac. Non. Et voilà, c'était. C'est ça. Même Chrome ou pas, c'est pareil. Merci. Bon, les pizzas ne vont pas tarder à arriver. Ah, il y a l'estomac qui appelle. On peut continuer la discussion là-bas. Après, j'avais encore une. Sauf s'il y en a encore derrière, non? Non, pas de question. Et puis après, on va là-bas. Là ou là-bas, comme tu veux. On corrige ici et puis après on transpose là-bas. Le truc, c'est que quand tu t'expliquais effectivement, il y a le SDK Java, donc du coup, effectivement, soit. Vanilla ou Spring Boot même ou Quarkus, mais par contre ils n'ont rien fait pour Spring Boot directement, puisque tu disais Spring Boot Initializer. C'est ça, donc avec Initializer je peux quand même. Ah oui. Donc si j'ai pas envie de faire de Quarkus, continue avec mon. Ouais. Ils maintiennent les deux ISO en fait. Mais l'initializer, quand tu vas le voir, il fait arrobas component. Hein. Oui, ouais. Il ne fait rien d'autre. Mais par contre, après, comme derrière, c'est utilise. JaxRS et tout ça. Enfin, du coup, le truc, c'est que moi, j'ai poussé le truc à faire mon endpoint en Quarkus. Si tu le fais en Spring Boot, tu le feras en Spring Boot. C'est pareil, c'est trois anotes et puis derrière ça. Oui, voilà. Ça fonctionne tout seul. Pour moi, c'est pareil. Non, les trois alors, le core, bien sûr, c'est ce qui est le plus à jour. L'extension, c'est ce qu'ils mettent à jour aussi, mais quand ils mettent à jour l'extension, ils mettent à jour la partie Spring Boot Initializer. Donc, vraiment les deux vies ensemble. Que j'avais lu. Okay. Ouais. Et le dernier truc, c'est Go. J'ai lu, je ne sais pas si c'est toujours valable, il y a 2 ans, qu'on pouvait faire quand même plus de choses en Go, en termes d'opérateurs que. Alors, il y a 2 ans, c'était vrai à 100%. Ah, okay. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais être honnête, j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait un très gros opérateur en Java, qui m'a dit qu'il arrivait quasiment à tout faire. Il y avait juste quand ça allait dans le cycle de vie très pointu de ce qu'il voulait faire au sein de Kubernetes, il avait un peu du mal. Et là, je pense pas que c'est pas tant l'opérateur, c'est que là, on utilise Fabricate, tout ça. Alors Go, en fait, les API, alors, je ne sais pas si on appelle ça API d'ailleurs, on appelle ça API parce que je suis développeur Java, mais les API qui sont à dispo pour manipuler du Kubernetes en Go, sachant que c'est écrit en Go, c'est assez simple. Donc, on arrive à des limites, mais franchement, il faut vraiment aller dans le dur. D'accord, donc en clair, j'ai compris. Ça reste toujours pareil sur certaines limites. Elles sont arrivées. Vas-y. Du fameux Go et de l'opérateur, est-ce que ça marche pour le...